Ouais. Ça date des combats. Ça date de cette époque-là, tout à fait. Oh, on est en 30, tu pourrais. Je veux juste être sûr. Oh, bah, au revoir. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Hey, man! Prends ma main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Believers. Nous allons de nouveau traverser les frontières françaises pour enquêter pour la première fois sur le territoire belge, à quelques kilomètres de Liège, plus précisément au fort de Lantin. Pour cette investigation, nous n'aurons aucun assistant. Nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes pour trouver le moyen de documenter un maximum de phénomènes d'une éventuelle conscience et ainsi espérer enrichir notre bibliothèque d'archives. Il y a un peu plus de 100 ans, c'est ici que se sont déroulées des heures très sombres de la Belgique et ses nombreux jeunes soldats, le début de la Première Guerre mondiale. À l'époque, Liège est défendu par 12 forts qui doivent protéger la Belgique de toute attaque extérieure. Malheureusement, l'armement et la préparation allemande prendra le dessus et un à un, les forts passeront entre les mains ennemies. Le fort de Lantin n'échappera pas à cette destinée tragique. Et c'est le 15 août 1914, aux alentours de midi, que les troupes belges vont hisser leur drapeau blanc en haut du fort. Donc là, nous sommes au fort de Lantin. On va y passer la nuit. On a déjà parlé un petit peu avec un des régisseurs du fort qui me disait que dans les souterrains, lui, le soir quand il s'y retrouve, il faut qu'il siffle un peu voilà, pour dire qu'il est là parce qu'il entend pas mal de bruit. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus à ce niveau-là. C'est en compagnie de Jean-Pierre Sacré que nous partons faire le tour du fort afin de découvrir son histoire plus en détail. On rentre dans ce qu'on appelle le massif central, donc c'est vraiment la pièce principale du fort, c'est vraiment le massif central. Ouais. On vient de quitter les fossés, donc tout ce qui est le tour du triangle, c'est ce qu'on appelle les fossés, ici on est dans le massif central. Et dans le massif central, on voit qu'on a l'entrée, et l'entrée à l'époque était la même que celle-ci. Hein. Donc ça, c'est les Allemands qui ont ajouté ce mur-là. Sinon, c'était une entrée avec une grille comme ceci. À l'endroit où je me trouve, la grille est d'origine. Et l'endroit où je me trouve, c'est aussi un point roulant, comme celui que vous avez, sur lequel vous êtes passé tout à l'heure. Il faut essayer de comparer ça à un château fort. Alors, on n'a plus de l'eau, on n'a plus des douves, mais on a les fossés. La différence aussi, c'est que c'est un château fort moderne parce qu'ici, il est enterré. Dans les cas château fort, on le mettait sur un épion rocheux pour pouvoir se défendre. Tandis qu'ici, il est enterré et on défend le fort. On ne défend plus les gens, on défend le fort. Ouais. Alors ici, donc, ça, c'est ce qui donne les accès, donc c'est les couloirs de gauche et de droite, ce qui donne accès aux chambrées. D'accord. Donc, vous avez vu les chambrées ou pas? Non. Ah, alors là, c'est aussi... Bon, évidemment, ici, on a mis un escalier, etc. Et ça, c'était vraiment les lits qu'ils avaient, ils étaient comme ça. C'était les mêmes que ceux-là. Les cassettes au mur, c'était les cassettes où ils pouvaient mettre leur fait personnel. Maintenant, ici, sur le fort, il y avait environ 300 soldats qui logeaient. Qu'ils pouvaient loger, mais il faut aussi savoir qu'ils étaient comme sur les bateaux, ils étaient de quart, ça veut dire qu'ils ne dormaient pas tous en même temps. Ouais. Ça veut dire aussi qu'il n'y avait pas un lit pour chacun. Donc ça veut dire qu'on devait partager le lit. Hein. Mmh. Donc ici, ce sont toujours les escaliers des portes.
Donc ici, c'est la salle de rassemblement. C'est probablement ici que les soldats étaient rassemblés. C'est ici qu'ils recevaient les ordres. Alors bon, comme on le voit, il y a des stalactites là au plafond, etc. Donc ça veut dire que le tout est en train de s'effondrer. Donc il y a des déchets qui tombent là-dedans. Hein. Oui, d'ailleurs, on voit qu'il y a des fissures. Tout à fait, tout à fait. Donc ça date de ça date de cette époque-là, tout à fait. Donc on voit que tous ces déchets commencent à tomber. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle la salle des cartes. Quand vous positionnez là au fort de Lantin qui est central, vous voyez jusqu'où ces tirs pouvaient arriver. Ça veut dire à 8 km du but. Le phare se trouve au point le plus haut du fort. Donc c'est vraiment le point le plus haut. Il y a un phare. Et ce phare-ci, donc, il monte, hein, et il peut tourner. On est ici dans de la coupole de 12 cm. Donc ici, on tire des obus de 12 cm de diamètre. C'est, donc quand on se retrouve au-dessus, c'est où il y a les petites... Tout à fait, tout à fait, on est vraiment là. Mais on est quand même à 10 mètres de hauteur. Et donc c'est là qu'il y avait besoin de 20 soldats pour gérer. C'est là qu'il y avait besoin de 20 soldats pour... Tout à fait, donc il y en avait déjà 4 qui tournaient à un niveau là pour faire tourner la coupole. On va le faire manger avec Stéphane. Alors ici dessus, on trouve le fameux canon. Et le fameux canon que l'on peut incliner comme ça, mais que l'on peut aussi faire tourner sur lui-même. Donc on peut encore régler la précision du tir. Ça c'est le genre d'obus que l'on envoyait en l'air. C'est costaud, tu vois. Voilà. Hein, voilà. Ça c'est le genre d'obus qu'on envoie. Hein. Donc on envoie ça à 4 km. Et donc là, c'était plusieurs pour charger. Ah ben, heureusement, oui. Alors il y avait ce qu'on appelle ce genre de monte chargé. Et ce monte chargé, c'est ce qu'on voit ici. Ah d'accord. Et on montait les chargeurs comme ça. Il nous aura fallu une bonne heure pour découvrir les entrailles du fort. Toutes ces explications nous auront permis de mieux cerner les émotions ambiantes ayant résidé dans ces lieux. C'est un véhicule de la Deuxième Guerre mondiale, sachant que le fort, lui, normalement, il n'a pas travaillé pendant cette période, c'était vraiment pendant la Première Guerre. Les personnes de l'association qui gèrent ces véhicules se réunissent très souvent ici pour faire des reconstitutions, etc. Donc je trouvais que ça c'était une bonne idée de ramener un peu d'émotions militaires et nous-mêmes de nous mettre dans la peau des soldats, enfin un petit peu, hein, on est très loin d'être dans la peau d'un soldat. Mais voilà, c'est des petites choses qui sont des petits plus pour notre expérience, notre sensibilité et bien s'imprégner des lieux. Nous étions à présent impatients de commencer notre nuit d'enquête au sein du fort de Lantin. Pour commencer cette investigation, nous partons directement vers le centre du fort, dans la salle dite du rassemblement. Bonsoir. On va déjà poser des pods directement. Ouais. J'en pose un ici. Ouais.
Là, tu vois, là, ici, genre. Dans les escaliers? Non, non, mais ici, comme ça, c'est devant les escaliers et un peu au centre de la pièce. Donc là, ce qui est vraiment intéressant dans ce lieu, c'est qu'il n'y a pas de mort référencée. Donc, si on arrive à avoir des phénomènes dits paranormaux, ça voudrait dire qu'il y a une vraie possibilité que juste les émotions suffisent à pouvoir faire revenir des consciences. Ce qu'on a appris de nos enquêtes passées, comme par exemple au musée en Angleterre, on sait que des objets peuvent être en lien avec une conscience. Donc est-ce qu'aujourd'hui un lieu comme celui-ci peut aussi servir d'appât, entre guillemets, pour ramener une conscience? Donc voilà, pour ce premier petit tour, on va un petit peu se balader un petit peu partout sans forcément avoir de point fixe. Et puis on verra au fur et à mesure s'il y a une pièce qui nous parle plus qu'une autre. Donc on va déjà se présenter, expliquer le pourquoi du comment on est là. Donc bonjour, je m'appelle Sandy, je suis venue avec Jonathan. On vient de Paris et on est des enquêteurs qui essayons de documenter la survivance de l'âme. À savoir, ici, vous avez vécu des heures terribles. Vous avez dû passer par toutes les émotions possibles. Vous avez dû penser à vos femmes, à vos mères, à vos enfants. Et nous, aujourd'hui, on aimerait savoir si les soldats qui étaient là pendant la guerre de 14 ont en lien ce fort et pourraient venir nous donner un petit signe. Y a-t-il encore un gardien de ce lieu? Nous retrouver dans cette salle, dans l'obscurité la plus totale, nous fait directement penser aux conditions dans lesquelles les soldats belges étaient cernés. Plutôt que de dormir dans les chambres, les hommes, ils étaient montés ici avec leur matelas et ils dormaient sur les matelas ici. Donc ils sont restés en confinement ici combien de temps? C'était pour eux l'affaire de certainement 3 jours. 3 jours. Entre 3 et 4 jours. Donc là, chaudière à vapeur s'arrête, ça veut dire que la machine à vapeur s'arrête. Donc plus de machines à vapeur, plus de pression pour faire monter le phare, plus d'électricité. Donc ils sont réduits à vivre avec leur petite lampe à pétrole. Et c'était à tel point qu'il n'y avait plus d'oxygène que la lampe à pétrole s'éteignait. Et ça, c'est la vraie raison pour laquelle ils se sont rendus. Ils disent, on va crever ici, c'est pas possible autrement. Ouais, c'est la salle des cartes, là. Bonjour, messieurs les généraux. Je sais que beaucoup de décisions ont été prises dans cette pièce. Ça, c'est le fort de Liers, et ça, c'est le fort de le Pontis. Et donc, vous voyez, Liège se trouve ici. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est de défendre Liège. Donc, si vous regardez bien, vous avez vraiment une belle courbe comme ça. Et ça, vous avez tout autour de Liège. Donc, ils sont arrivés, quand on voit Pontis, ils sont arrivés à peu près par ici, en fait. Et donc, ils ont fait un par un chaque fort? Tout à fait. Et il y avait comme ça 12 forts autour de Liège. Si vous seriez capable de nous manifester votre présence, de nous faire comprendre que vous nous entendez, si vous pouvez pousser cette porte, bouger ce lustre, faire juste un petit son. Donc pour info, c'est vraiment le noir complet. Je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est ce que je vois. On va dire rien du tout. J'ai juste l'écran LCD qui me sert de retour. Y a-t-il un général, un officier, un sous-officier, un militaire? Je suis devant toi, fais gaffe. Ah ouais. Tu me vois un petit peu? Avec ah bah oui, t'as mes lumières rouges. Attends, c'est... Quoi ça? J'ai cru entendre du bruit. T'as entendu du bruit? J'ai cru.
Y a-t-il quelqu'un? N'hésitez pas à faire un son, s'il vous plaît, messieurs. Vous allez vous retrouver dans la position de l'artilleur. Ici au-dessus. D'accord. Ceci, c'est les autres 150. Voilà, voilà. 150 millimètres. Oui, ça va être un peu plus lourd, un peu plus lourd. Nous sommes ici dans la coupole de 150, nous sommes à la place de l'artilleur, donc il reçoit l'ordre de tirer, et c'est vraiment ici que ça se passe, donc il ne voit rien. Alors ici le panorama que nous représentons, c'est on montre tout ce qu'il ne voyait pas. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Ce soir, c'est l'occasion ou jamais. Quelqu'un qui pilote ce phare? Tu veux quoi, c'est une séance ici? Une séance de Spirit Box? Ouais, tu mets la caméra sur les escaliers? Ouais, ça marche. Donc là, l'appareil que j'ai dans les mains fonctionne comme une radio. Et nous, ça nous permet de pouvoir parler avec vous en temps réel. Donc peut-être qu'autour de vous, vous allez voir des fréquences bouger. Essayez de vous caler dessus pour nous, pouvoir nous parler, s'il vous plaît. Est-ce qu'une conscience est avec nous en ce moment? Y a-t-il encore un soldat, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un soldat qui travaille près du phare? Ne soyez pas timide. Tous les appareils que nous avons dans nos mains ne peuvent pas vous faire du mal. Il suffit de venir vous rapprocher et de discuter avec nous. Parlez-nous de votre histoire, de ce que vous avez vécu ici. Ouais, c'est un gros... Vomissement. Ouais. Ouais, j'ai bien entendu, quoi. Malgré le son de la Spirit Box. Ouais, pareil. T'entends? Ouais, vas-y. Alors, vérifie. Oh, on entend d'entendre du bruit. Vers le bas. Bah c'était fort en plus le premier. Toi t'as vraiment entendu le BAM. Oh j'ai flippé. C'est les mannequins d'Halloween qui sont au fond. Le gardien nous avait expliqué qu'une fois par an, bah, pour Halloween, ils font des petites soirées. J'ai encore failli me faire une frousse à base de mannequins.
T'entends? Il y a quelqu'un? Ah, t'es sérieux? Là, ça fait vraiment footstep, quoi. Ouais. Mais c'était... Moi, ça me semblait plus par là. Par là? Ouais. Là, là, devant moi. Non? Il y a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sandy, je suis avec Jonathan. On est français, on est venu en France. Attends, j'attends. D'entendre deux, trois footsteps derrière moi, tu vois, mais pas loin en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hello? À chaque fois, j'ai l'impression que c'est derrière nous, en fait. En fait, il y a une vraie sensation d'être suivi au pas, tu vois, légèrement, curieusement, tu vois. Légèrement au fond. Non. T'es sérieux? Il y a quelqu'un qui a dit. Ouais, je viens de l'entendre. Bonsoir. Coucou. Ben c'est très bien, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup. C'est que vous êtes conscient de notre présence. On aurait presque dit une voix légère. Femme, enfant, en tout cas c'était une voix très légère. C'est vrai que ça aurait pas. Ça peut-être être un jeune homme, tu vois, ouais. Quand même. On est d'accord, on en ouais, ouais, non mais attends, c'était clair comme de l'eau de roche. Il y a quelqu'un qui a dit. Ouais, je viens de l'entendre. Écoute, je veux juste aller vérifier, être sûr que c'est pas là-bas quelqu'un qui. Je veux juste être sûr. Bon, bah, allons voir.
Il y a une réunion des membres de l'association au rez-de-chaussée dans une autre partie du bâtiment. Ouais, qui est complètement à l'opposé de nous, quoi. Est-ce qu'ils auraient voulu monter pour nous chercher? Donc je veux juste vérifier. Non, mais attends. Là, t'es en train de... Ces gens-là sont complètement à l'opposé de nous. Nous, oui, on revient de là, dans le tunnel qui descend tout en bas. Je veux être sûr que... D'accord, okay. Avoir la confirmation pour que... Je comprends. C'est les seules personnes qui sont dans le bâtiment. Ouais. J'espère vraiment qu'on l'a sur la caméra parce qu'on entend vraiment ce petit... Ah, j'espère qu'on l'a à la caméra. Franchement, avec Sandy, on l'a entendu vraiment tous les deux en même temps. Il y avait vraiment cet écho comme si c'était... On nous appelait au loin, quoi. Tout en bas du tunnel, quoi. Comme vous l'aurez compris, la caméra aura bien enregistré ce son, cette voix. Mais malheureusement, l'enregistrement est bien moins clair comparé à ce que nous avions entendu en temps réel. T'es sérieux? Il y a quelqu'un qui a dit... Ouais, je viens de l'entendre. Pour les pas, je ne sais pas, parce qu'il y a deux personnes qui sont parties tout à l'heure, ils m'ont dit. Mais ils ne sont jamais montés. Non, mais nous, c'était dans notre zone, on avait l'impression de se faire suivre. Par rapport au fait que si quelqu'un serait monté pour parler, ça c'est impossible. Personne me dit, il y a deux personnes qui sont parties depuis que nous on y est allé. Ouais. Mais c'est ça, et ils sont partis là. Ouais, mais moi je l'avais entendu, le bruit de leur voiture. Donc, voilà. Sinon, personne n'est monté, c'est sûr et certain. Il faut qu'on retourne sur nos pas là, il faut qu'on retourne là où on était. Ouais. Et voilà, on sait déjà, mais est-ce que tu veux que je prenne la deuxième caméra? C'est beau là. Ouais. Nice. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bon, suivez-nous, on retourne là-bas. Parce que là, on est un peu trop près de la chaudière. Ça. Vous pouvez continuer à nous suivre. On est de retour. On peut s'assurer de quelque chose. Et maintenant qu'on a notre confirmation, on va pouvoir continuer cette première partie de travail qui s'annonce très intéressante. Merci encore. Est-ce que la personne qui nous a fait un signe... Un peu d'ici. Ouais. Est-ce que la personne qui nous a fait un signe pourrait nous en faire un autre? Hello? Peut-être que vous pouvez me renvoyer mon écho? Si je vous dis hello? Nous sommes vraiment là pour avoir envie d'entendre parler l'histoire. Et vous êtes l'histoire. Hello? Sinon, on l'a entendu, la caméra est forcément entendue. Logiquement. Mais après, on sait qu'il peut y avoir deux barrières entre ce que la technologie enregistre et ce que nous, on entend à travers nos sens, que la technologie n'a pas. Mais là, c'était même pas mes sens. Enfin, c'est mon sens auditif, c'est pas un sixième sens. C'est un sens auditif. J'ai pas dit sixième sens, j'ai dit sens.
C'est marrant parce qu'on avait vraiment cette sensation de... D'être suivi, ouais. D'être suivi, quoi. Hello. Est-ce que vous pourriez refaire? Ouh. Reste le tunnel, quand tu le regardes... Ouais. Bah ça, tu rentres dans un mur noir, hein. Ouais. Tiens-moi la main, comme ça je descends reculons pour voir si jamais il y a des choses derrière nous. Ok, moi je check devant. Voilà. Eh oh! Ici, tout résonne beaucoup, évidemment. Ouais. Si on crie un peu fort, on l'entend. Voilà. Est-ce que l'un de vous souhaiterait venir nous parler, se rapprocher de nous, pour qu'on puisse sentir sa présence? Essayons peut-être une spirit box au niveau où on a entendu le « ouh ». Ouais, parce que si on fait un courant, ça va être... Ouais, ça va être demi-truant, quoi. La résonance, ça va. Prends le temps, d'abord t'expliques ton oui et ton non, et après tu poses seulement tes questions. Si la personne qui a eu l'énergie de nous faire un petit signe de sa présence pourrait se rapprocher de nous et travailler avec les baguettes, ça pourrait être un plaisir pour nous. Il faut qu'on essaye de savoir quelle personne c'est. Est-ce que la personne qui est en train de travailler avec moi est celle qui a manifesté sa présence avec cette petite voix? Vous ouvrez les baguettes pour dire oui et vous croisez pour dire non. Merci. Merci. Remettez les baguettes au centre. Est-ce que vous avez vécu l'assaut des Allemands le 15 août 1914 ? Merci. Est-ce que vous faites partie des soldats qui ont été emprisonnés et emmenés en Allemagne? N'oublie pas qu'on peut être très bien sur une mort non déclarée, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que vous avez décédé durant l'assaut des Allemands et qu'en fait personne n'est au courant de votre mort ici? Ouais, d'accord, ok. Ok. Merci. Merci. J'en ai eu des frissons. Avions-nous réussi à nouer un contact avec un soldat dont la mort n'a jamais été déclarée? Ou était-ce une conscience encore connectée au lieu? Dans tous les cas, nous avions affaire à quelqu'un bien conscient de notre présence. L'esprit nous dira bien qu'il est trop compliqué pour lui d'utiliser notre matériel comme la Spirit Box. Mais nous nous devions de réessayer. Ça risque de faire beaucoup de bruit, mais surtout ne vous en inquiétez pas, rien ne peut vous faire du mal. Est-ce que vous pouvez essayer de parler à présent ? Bonjour. Rapprochez-vous. Reste dans cette zone. Vous m'entendez? J'entends des choses? J'avais cru entendre appeler par là-bas. Essayer de faire fonctionner avec... Tiens la caméra. Donc là, le petit appareil que j'ai devant moi, regardez ce qui se passe si je m'en approche. Vous voyez, ça fait des sons et vous pouvez voir toute une série de lumières. Peut-être qu'avec votre énergie, vous pouvez vous aussi enclencher le même système. Donc, essayez avec cet appareil-là, et sinon, à l'autre bout, il y en a un autre. Regardez, c'est le même système. Essayez d'utiliser votre énergie, votre présence, votre conscience pour enclencher ces appareils. Je sais que vous ne les connaissez pas, mais peut-être que vous pouvez essayer de tourner autour. Essayez de voir ce que vous pouvez modifier. Essayez avec un de ces appareils, s'il vous plaît. Je me sens glacé. Ouais, moi aussi. John et moi-même sentions bien cette impression que quelque chose, quelqu'un tournait autour de nous. Et les sphères lumineuses enregistrées près de lui ne font que confirmer nos sensations. Et vous pouvez voir toute une série de lumières. Peut-être qu'avec votre énergie, vous pouvez vous aussi enclencher le même système. Revenez! Ouais. Je viens de faire un truc, pas. Ah, j'étais de l'autre côté. T'es sérieux? Je crois que je viens de voir mon énorme X passer. Ah, j'étais. Moi, je filmais de l'autre côté. De mes propres yeux. Et là, en fait. Genre, c'était large. Et puis c'est monté. J'ai vraiment vu une masse, tu vois. Pas, je parle pas d'une arme, je parle pas d'une sphère. Enfin, je parle pas d'une sphère lumineuse, je parle vraiment d'une belle grosse X1, quoi. Je suis désolée, j'étais en train de filmer de l'autre côté. Merci, si à nouveau je peux pas confirmer, mais si c'était vous, merci.
grand vieux masque. J'ai juste fait un demi-tour, alors je pense pas que ce soit mon ombre qui... Non, parce que Non, mais en fait, je pensais que tu m'avais genre éclairé toi aussi avec une lumière. Tu non, vois. J'ai fait ça, en fait, moi. Non, mais de toute façon, t'as pas de lampe torche à la main, donc le truc, c'est ce qui est... Ah, c'était fou. Essaye de venir par là, au cas où, viens. Il nous reste encore peu de temps dans les lieux, donc n'hésitez pas à vous manifester, peut-être par les émotions. Vous pouvez passer par moi pour essayer de me faire ressentir une des émotions que vous voulez partager, que ce soit de la joie, de la tristesse. Peut-être que vous êtes heureux que des personnes viennent tenter vous parler aujourd'hui. Parce que c'est ce que nous essayons de faire. D'entrer en communication avec vous, d'avoir une discussion avec vous. Hello! Essayez de me renvoyer l'écho. Vous devez vous rappeler, à l'époque, quand vous parliez dans ces murs, vous pouviez parler et votre voix se renvoyait tout au loin. Essayez aujourd'hui. Demander si les tombes, c'est pas une matière facile pour eux à travailler, tu vois. Et si on devrait pas essayer de pousser à faire des instruments qui tournent autour du laiton, quoi. T'as des douleurs au ventre? Donc, de toute façon, viens, on récupère le matériel et puis on se ravance un petit peu. C'est vraiment une question que je me pose parce que même si les baguettes marchent pas partout, c'est ce qui permet de bien se rendre compte que c'est pas quelque chose qui à chaque fois fonctionne. Mais quand ça fonctionne, quand on a une conscience qui est là, qui comprend et qui se sert vraiment de cet appareil pour parler, c'est incroyable, quoi. J'aime vraiment beaucoup ce moyen de communication. Et on voit vraiment la variété, on voit qu'avec certaines entités ça va tout doucement, avec d'autres c'est super rapide, donc ils comprennent très vite le fonctionnement, il n'y a plus besoin de leur redire remettez au centre, ainsi de suite, ils le font par eux-mêmes. Là c'était le cas. Donc c'est fou de se dire qu'on a une conscience qui est vraiment qui a vraiment la puissance de faire tout ça. Et on peut pas, et en plus peut-être, et potentiellement, nous on l'a entendu, mais j'espère que la caméra l'a, mais de se faire entendre en plus, à travers son monde et notre monde, c'est les deux réalités qui se mélangent. Donc il y a une forte puissance, quoi. Mais à nouveau, il y a toujours ce truc, c'est... Il est possible que les choses s'ouvrent le temps d'un écho, le temps d'une petite ouverture. Donc voilà, ça se trouve, on a eu pendant 5 minutes, il y avait une porte ouverte et on a pu l'entendre, on a pu communiquer avec lui facilement. Et voilà, ça s'est refermé. Mais c'est très marrant parce que au tout début, on s'est vraiment senti suivi, quoi. Comme on n'arrêtait pas de se dire. C'est fou, je pense qu'il y a vraiment un qui a pris conscience de tout ce qui était en train de se passer, qui nous a suivis, et puis qui petit à petit s'est mis à interagir avec nous, quoi. Mais je ne regrette pas le fait d'être descendu pour vérifier, parce qu'on a... Ouais, bien sûr, bien sûr. Au moins, voilà, on est sûr, on n'est pas en train de s'inventer quelque chose. Il y a quelqu'un ? Bon, en tout cas, je suis vraiment content. C'est une des enquêtes les plus courtes qu'on aura fait aujourd'hui. On a pu rester seulement 2-3 heures dans le lieu. Mais vraiment, tout de suite, enfin pas tout de suite, mais
assez rapidement, on a eu cette sensation d'être suivi, d'entendre des bruits de pas au loin. Et après, voilà, la communication avec entendre cette petite voix, entendre les baguettes. Voilà, il y a des fois, il n'y a pas forcément besoin de rester 10 heures dans un lieu pour être face à quelque chose, quoi. Donc je suis content, on n'avait pas beaucoup d'heures devant nous et malgré tout, on a réussi à avoir quelque chose. C'est génial. Bah ouais, non, c'est cool. On a eu aussi le REM qui s'est mis en route. Ouais, on a à nouveau, un petit peu après donc cette sentie suivie, on a voulu aller voir et t'avais encore comme si quelque chose restait à côté de nous, quoi. L'enquête au fort de Lantin aura été courte pour nous. Mais nous étions satisfaits d'avoir pu réaliser notre mission. La confrontation directe avec une conscience était indéniable. On est en train d'entendre du bruit. J'ai l'impression pendant juste d'entendre 2-3 footsteps derrière moi, tu vois, mais pas loin en plus. Chaque fois j'ai l'impression que c'est derrière, non, en fait. En fait, j'ai une vraie sensation d'être suivi au pas, tu vois, légèrement, curieusement, tu vois. T'es sérieux? Il y a quelqu'un qui a dit. Ouais, je viens de l'entendre. Salut, RM. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où est Jonathan, la personne qui travaille avec moi? Peut-être qu'avec votre énergie, vous pouvez vous aussi enclencher le même système. Est-ce que vous faites partie des soldats qui ont été emprisonnés et emmenés en Allemagne? Pendant la période où le fort a été bombardé, ça devait quand même être très dur, hein, ça c'est clair, c'est vrai. Et parce que bon, ils ne savaient quand même pas de quoi le lendemain allait être fait. Hein. Mm-hmm. Ils savaient une chose, c'est que s'ils restaient comme ça, ils allaient mourir, ça c'est sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on développe les classes insolites, les classes d'un jour, etc. C'est pour sensibiliser les jeunes, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Hein. Cette plongée au cœur du fort de Lantin aura été des plus intéressantes. La visite et les explications passionnées de Jean-Pierre Sacré nous auront permis de mieux comprendre ce que vécurent ces soldats belges durant la Première Guerre mondiale. Et nous ne pouvons que saluer leur courage et leur mémoire pour tout ce qu'ils ont enduré au nom de la liberté.